comme ça. T'imagines même pas comme je suis. Comme... Enfin, je suis super amoureuse. Maman m'avait toujours prévenu que le mariage. Donc, le mariage n'était pas une valeur aussi embrouillée. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mon bébé, c'est moi. Ben, je vais probablement rentrer assez tard ce soir, donc ben voilà, m'attends pas. Je t'embrasse, bisous. Ma pauvre fille! Pourquoi tu recommences? Arrête, je te préviens, ne me casse pas les couilles, je t'ai chié! Tu vois comment t'es avec moi? Tu vois comment t'es avec moi? Tu veux m'en chier? C'est ça que tu veux? Allez! T'es complètement taré, ma pauvre fille! J'étais pas vraiment dans ma propre vie à moi et pas vraiment dans la sienne non plus. Oui, c'est moi. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Voilà, je t'embrasse, en mieux. Mon amour, je... J'hésite vraiment à me marier. Surtout quand je pense à l'histoire de mes parents, ça m'angoisse. Ton père, je ne crois pas que je serai à ton mariage en fait. Je crois que tu n'es pas habitué à ce que je te parle longuement de tout ça. En fait.
donc, c'était plus en lui. Je te demande de m'appeler 57 minutes, je ne comprends pas cette chose.